Ce qu'a fait là, nous allons faire un petit tutoriel qui pourra expliquer nous comment pour nous organiser un clé boutable avec une image ISO Microsoft Sully. Ok? Parce que une image ISO Linux, macOS et puis tant d'autres. Ça y a une autre façon pour faire. C'est-à-dire que l'autre façon que nous allons faire l'autre chose, c'est nous gagner trois petits outils tant qu'on refuse. Et puis qu'on paquette l'autre encore. Hein. Mais Rufus là, bon, il est simple, il est gratuit, ils sont plus, c'est pas d'installation. Mais nous avons à faire une clé ISO avec connexion Internet que nous gagnons. Laissez-nous télécharger ma ISO Windows là, sous site Microsoft là directement. Avec une connexion Internet, nous avons fait ça. Outil ça que nous avons là, la bonne possibilité de faire une clé bootable. Et puis, on a fait un tutoriel avec Rufus, qui est un outil utilitaire, qui a une opportunité. Fait même mouvement que nous pouvons le faire là. Sauf que Refus lui-même l'a demandé pour qu'il gagne une image ISO. Système que gagne, que ce soit macOS ou Windows, Linux ou FreeBSD ou l'autre système. Yo. Là, nous avons lancé pour nous faire. Après, nous avons montré comment nous faisons ça. Mais là, nous avons fait ça avec connexion Internet là. Nous avons lancé un navigateur. Bon, ça, c'est avec Windows que nous pouvons fonctionner. Nous prenons Microsoft Edge, qui c'est navigateur associé à Windows. Je qu'on doit avoir l'autre navigateur et tout. Hein. Mais, on apprend ça. Bon, là. Les nous arriver là, nous taper Média Création. Ok. Là, que nous taper ça là. Et puis il dit nous que télécharger une image ISO disque Windows 10 fichier ISO. On doit taper ça directement. Mais nous avons la possibilité de télécharger Media Creation Tools là sous 01.net. Bon, ça c'est l'autre site. Et donc, du coup, pendant ce temps que Windows tape Media Creation, il nous ça. Lorsque nous avons télécharger Media Creation Tools. Mais nous pas télécharger sous site ça. Bloquer ça et puis on apprend à télécharger une image disque Windows 10 fichier ISO. On clique sur lui, il dirige directement sous site Microsoft là, côté que nous gagnons possibilité de mettre à jour dernière version Windows 10 qui sortira là dernièrement qu'il sortit. Bon, on n'a pas fait ça, donc on doit mettre le système à jour là directement, c'est-à-dire que si une patate passer par clé USB quoi que ce soit, nous avons besoin de mettre système d'ajout, nous devons faire là, mais uniquement avec connexion internet là. Bon, nous même avons téléchargé outil qui pourra faire nous télécharger ce site là, nous avons tout fait clé USB bootable avec. Donc nous pas cliquer ça peut mettre système d'ajout, nous avons cliqué télécharger maintenant l'outil. Ok, nous voyons que les lancer là. Bon, là on a téléchargé, m'a cherché une clé pour qu'on mette sur ordinateur pour qu'on organise ça. Ok, ok, outil a fini de télécharger. Nous cliquons sur 3 points ça là, nous fait afficher dossier là pour nous directement côté de place. Nous voyons qu'il est là, ça là. Puis nous fait nous copier les, nous mettons le sous bureau parce que on pourra le besoin. Nous fait mes navigateurs. Et puis une fin pour un outil, nous fait tout navigateur, nous copier l'un côté qu'il garde. Bon, ok, là qu'il finit copier l'un côté qu'il garde. Il est là. Nous cliquons droit, nous lancer les tant qu'administrateur. On doit cliquer sur les deux fois. Et puis les lancer ou sinon on doit ouvrir les là pour ouvrir correctement. Mais si on peut l'exécuter étant administrateur, la mieux parce que là étant qu'administrateur système avec la banane beaucoup plus de droits que là que nous cliquer sur lui étant qu'utilisateur standard. Nous cliquer sur lui étant qu'administrateur, nous lancer les, il fait ça et puis nous ouais logo Windows là qui lance. N'a pas fini. Normalement c'est censé paraître en côté pour nous dire OK. Nous arrivons, nous ouais qu'il dit nous préparation de certains éléments. Captain, fini charge à faire.
les que nous finissons les fin de les fin charger ça la petite les nouvelles que les nous terme du contrat donc me conseiller nous les lire parce que moi les déjà les lire après nous fait si nous les refuser n'a pas refuser les ça ne pas qu'à poursuivre nous obligé n'a pas accepté pour ne pas poursuivre et cliquer sur les nos préparations de certains éléments nous qui télécharger toujours son processus qui dirait en tupétant mais à la fin n'a pas capable avec l'USB à tranquille pour prochain déploiement qui n'a pas besoin de faire. Donc quitter ça fini télécharger normalement l'autre fenêtre encore qu'à venir. OK, les nouvelles là comme ça, liban nous ça. Les mises à jour il y a là, les ça qu'il pourrait passer directement par internet, c'est pas clic qu'il pourrait besoin. Donc nous pas besoin ça, il lui a demandé nous qui ça nous voulait faire là. Donc là nous on a besoin nous besoin créer un support installation clé USB DVD ou fichier ISO pour un autre PC. Donc nous on a sélectionné ça et puis nous fait suivant. Là qui nous fait suivant, nous arrivons là, sélectionner la langue, l'architecture et l'édition. Donc nous là par défaut bah nous langue en français et puis édition Windows 10, ok. Architecture nous 64 bits. Si nous besoin modifier ça, on a juste décoché ça là parce qu'elle coche par défaut. Nous choisissons l'autre langue qui nous a besoin, c'est l'autre langue. On a quitté le sous-français France et puis édition bon, nous c'est Windows 10. Par contre là, nous avons une possibilité de choisir 32 bits ou 64 bits, ça c'est architecture système. Nous-mêmes, nous prenons tous les deux. Nous avons possibilité de mettre tous les deux sous clé. Bagaille que nous pouvons le faire. Ok? Là que nous faisons ça, là, nous sélectionnons les deux et nous faisons suivant. Et ça, nous choisissons le média à utiliser. Disque mémoire flash USB et puis fichier ISO. Donc, ça n'a pas fait. Nous-mêmes, nous avons sélectionné. Disque mémoire flash USB. L'idée nous, sa taille doit être au moins 8 Go parce que nous mettons des systèmes sur les. Il y en a 64 bits, il y en a 32 bits. Chaque normalement nécessite 4 Go. Donc minimum faut qu'on clé qui gagne 8 Go sur les. Si sont celles que vous installez, vous avez besoin de clé qui gagne 4 Go, là c'est suffisant. Mais comme nous avons point tout dé avant nous comment on a fait ça, nous obligé qu'on clé 8 Go. Donc ça me gagne. Nous quittons ça sélectionné. Nous fait suivant. Les qui nous fait suivant, mais les qui le détecte, la détecte clou là. Si que clé a l'autre nom, il a pour non clé. Mais là, c'est un geste, on lettre qui me décide de quitter pour clé, l'ouest lettre. Nous quitter le, nous fait ça là. Ce que nous avons fait, actualiser la liste de lecteurs. Donc, du coup, nous pouvons chercher si l'autre clé ou sur un disque dur pour nous capable d'installer. Nous avons quitté ça comme ça. Et puis, nous fait suivant. La préparation de certains éléments. Normalement, c'est un processus qui prend plus de temps parce que, enfin, on cas pour un minimum 1 heure, compter 1 heure pour faire ça. Ça dépend des connexions internet. Si la connexion internet est puissante, là, capable d'aller 30, 45 minutes pour cliquer. Donc, ça nous a fait, on a quitté ça à tourner et puis ma reprend vidéo. Il faut que l'on arrive à 100% étape ça. Ok? Au fur et à mesure, on a pris étape pour faire.